un exemple de l'action. Donc, on invite vraiment tous les citoyennes et les citoyens eh bien, à nous signaler sur l'adresse mail de ce tract à décidons.paris les immeubles et appartements vides qui sont dans leur quartier. Et nous, ensuite, eh bien, nous affichons les logements vides comme ici, voilà, logements vacants à Paris. Il faut savoir qu'il y a 108 000 logements vides à Paris, alors qu'il y a tant de demandeurs de logements et de logements sociaux. À un moment, nous, on dit qu'il faut remettre le sujet sur la table, en débattre, peut-être faire un référendum pour demander aux Parisiens si ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent que la mairie de Paris se saisisse du sujet et retrouve cette compétence-là? Moi, je pense que la mairie de Paris, qui est très riche hein, quand même, devrait pouvoir loger, réquisitionner, préempter aussi parfois des appartements ou des locaux, etc., pour reloger les gens qui n'ont pas d'appartement. On propose aux gens de rejoindre décidons.paris pour réfléchir avec nous et puis aussi être candidat sur les listes.